Hey! Aloha! Let's go! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la positive attitude. Comment ça va à la maison, la famille? J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, c'est Sauda. Welcome to my channel. J'espère que vous avez l'ambiance, la positive et non stress. J'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, c'est parti pour un soin visage vraiment extrêmement efficace. Franchement, je vous le recommande. Si vous avez des taches pigmentaires, si vous avez des taches dues au soleil, si vous avez des boutons, si vous avez des problèmes tout simplement au niveau de votre visage, pour donner une bonne mine. Donc sans plus tarder, on y va. Alors aujourd'hui, je vais utiliser de la bicarbonate de soude. Je vais utiliser huile d'amande douce bébé. Et en tout, je vais nettoyer mon visage avec le savon Dove. Uniquement le savon Dove parce qu'il est très doux pour le visage. C'est un savon qui va vraiment nettoyer en douceur votre visage. Donc, je vous le recommande fortement d'utiliser ce savon. Donc, c'est parti. Nous allons faire les mélanges. Là, je vais prendre mon bicarbonate de soude. Je prends... Alors, je n'ai pas de mesure, hein, donc je fais comme ça à l'aveuglette en fait. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas vraiment besoin de faire des mesures ou quoi que ce soit. Donc c'est à vue d'œil. Donc moi j'ai pris le bicarbonate de soude. Ensuite, je viens mélanger avec de l'eau. Hop. Voilà. Vous voyez, hop, ça devient pâteux et après je viens prendre quelques gouttes de huile d'amande douce. Prends une, deux et trois, ça suffira, n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et je mélange bien. C'est vraiment un exfoliant vraiment très efficace pour les taches sombres, surtout les boutons. Ça va vraiment, vraiment vous aider à clarifier le teint et vous allez voir, c'est topissime. Alors, je voulais juste préciser, si vous n'avez pas l'huile d'amande douce, celui-ci, si vous ne l'avez pas chez vous, eh ben, vous pouvez remplacer par huile de coco. Donc, c'est pareil, vous pouvez... remplacé par huile de coco, ça fera le même effet. Donc voilà, j'ai mélangé et maintenant je viens appliquer sur mon visage. C'est parti. Cette astuce-là, ça va vous permettre vraiment de venir exfolier votre visage et surtout atténuer les taches sombres. Ça enlève vraiment les impuretés et avec l'huile d'amande douce, c'est vraiment... La peau n'est pas du tout agressée. Elle n'est pas du tout agressée et ce qui est vraiment génial. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits de l'huile d'amande douce et les bienfaits du bicarbonate de soude sur le visage. L'huile d'amande douce, elle possède de multiples vertus, beauté et santé, riche en oméga 6 et oméga 9. L'huile d'amande douce est nourrissante et assouplissante, également très apaisante, elle calme les démangeaisons et les irritations. Sa composition en vitamine A améliore l'élasticité de la peau, elle possède de multiples vertus, beauté. L'huile d'amande douce n'agresse pas du tout la peau, au contraire, ça permet de bien faire régénérer les cellules de votre peau et ça va vous apporter l'amélioration, une amélioration nettement visible au bout de 2 semaines pour le teint d'éclat de votre peau. Les bienfaits de la bicarbonate de soude, c'est un très bon exfoliant de la peau. Ça va permettre justement d'exfolier
en profondeur, ce qui va permettre d'atténuer les boutons, d'atténuer les taches, et ça va rendre votre peau en excellent état. Et vous aurez une peau nette, claire et douce. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. C'est des produits qu'on a à la maison. Tout le monde connaît le bicarbonate de soude, les bienfaits du bicarbonate de soude. Je vous le recommande fortement si vous avez des taches sombres sur votre visage, si vous avez des boutons, si vous avez de l'acné. Ça va vraiment vous aider à atténuer tout ça. Et c'est vraiment d'excellents produits. Et comme là, vous le voyez, je vais laisser poser quelques minutes. Faites attention au contour de vos yeux. Ne pas mettre sur vos yeux. Il faut vraiment, vraiment limiter. Ne pas se rapprocher au niveau de l'œil parce qu'on sait très bien que les yeux, c'est très sensible. Vous laissez poser comme ça jusqu'à ce que ça sèche. Et après, vous allez... Donc voilà, je vais attendre quelques minutes pour que ça sèche. Une fois que c'est sec, je vais laver mon visage avec le savon de Dove. Ce savon-ci, moi je vous recommande fortement d'utiliser ce savon pour votre visage parce que c'est un savon qui est très doux et qui est très délicat par rapport au visage. Ça n'agresse pas du tout le visage. D'autant plus, voilà, ça sent hyper bon, ce qui est bien, ce qui est excellent. Donc je vous le recommande ceci, le savon pour votre visage une fois que vous allez laver et vous allez voir, vous allez avoir une peau bien nettoyée, bien exfoliée et ça va grave vous aider votre visage à atténuer vos taches, à atténuer les boutons ou à atténuer tout ce qui est acné, ça va vraiment, vraiment vous aider. Au niveau de l'utilisation, je vous recommande de l'utiliser deux fois par semaine, soit vous l'utilisez par exemple lundi et vendredi ou dimanche à dimanche, ça dépend de vous, mais vous pouvez l'utiliser deux fois par semaine, ça va vraiment vous aider. Je vous dis à tout à l'heure, je vais laver mon visage. Ah, ça y est, j'ai lavé mon visage avec cet exfoliant, ça va grave vous aider à atténuer votre problème de peau que vous rencontrez actuellement. Il faut savoir qu'il faut vraiment être persévérant parce que ça marche très bien. Et quand on est persévérant, on est assidu, on fait vraiment les choses comme il faut. Vous allez voir que vos taches vont s'atténuer, surtout les taches sombres. Moi, je vous le recommande. Et une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, quand vous allez laver votre visage, il faut laver avec de l'eau froide. C'est très important, vous lavez avec de l'eau froide et avec le savon de Dove que je vous le recommande. Parce que le savon Dove, ça ne va pas venir agresser votre visage. Au contraire, ça va garder la douceur et illuminer toute la journée. Et je vous recommande à faire ça deux fois par semaine. C'est très important pour la persévérance, pour que vous puissiez avoir une jolie peau. Donc voilà, ce fut la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous avez adoré. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner, activez la cloche de notification et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao !